Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui, dans le cadre de notre tutoriel, nous abordons le module spécial numéro 5. Précédemment, nous avons vu quel était le principe de fonctionnement du système GPS. Aujourd'hui, nous allons voir une de ses applications directes, notamment la géonavigation. À travers la découverte d'une application mobile appelée MapMe. Alors, MapMe, c'est de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'une application mobile disponible sur toutes les plateformes, en téléchargement sur App Store ou encore sur Play Store. Donc, une fois que vous êtes dans App Store ou Play Store, vous pouvez faire la recherche pour voir MapMe. Et comme son nom l'indique, MapMe désigne en français localise-moi ou encore cartographie-moi. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Je vais tout simplement l'ouvrir. Alors, ce qui rend cette application fascinante, en fait, c'est parce qu'elle vous permet là, de faire une géonavigation hors ligne. Alors, comment ça se passe? Je vais un peu expliquer cela par la suite. Donc, tout d'abord, lorsque l'application s'ouvre, elle commence d'abord à calibrer votre position. Vous voyez là, mais vous n'allez pas avoir cette interface là parce que vous, sûrement, vous n'avez pas encore téléchargé les différentes scènes. Parce que je vais prendre un exemple simple pour expliquer cela. Si nous allons par exemple à Malabo, où j'ai pas encore été, vous voyez, pour la Guinée équatoriale, on vous demande de télécharger une carte. Il en est de même si on va du côté de Akwa. Ah, vous voyez, on demande de télécharger une carte. Alors, comment fonctionne MapMe? Lorsque vous téléchargez cette application, alors, il vous faut télécharger l'ensemble des scènes de cartes qui constituent le pays. Et une fois que vous avez téléchargé l'ensemble des scènes, vous n'aurez plus besoin de connexion pour pouvoir naviguer dans l'ensemble du pays. C'est une méthode assez fascinante, mais qui fonctionne. Par exemple, si vous allez dans les réglages, vous verrez que moi, j'ai désactivé la connexion pour MapMe. Regardez par exemple là, vous allez voir mobile internet never use. Ouais, ça fonctionne uniquement avec le wifi, en tout cas lorsque je suis à proximité d'un wifi. Maintenant, c'est pas le cas. Donc, comment se présente l'interface? Vous voyez par exemple, vous avez ce bouton là qui vous permet de connaître votre position exacte. Donc, lorsque vous cliquez sur cette flèche en bleu qui est tout à droite là, vous avez votre position exacte. Vous voyez. Et l'une des premières fonctionnalités, c'est que vous pouvez marquer tous les lieux qui vous intéressent. Notamment, vous voyez, moi, j'ai marqué le lieu là où je réside en faisant tout simplement Add Place to Map. Vous voyez, en face de chez moi, tout ceci, ce sont des appartements meublés. Donc, je peux décider d'ajouter, par exemple, des informations dessus. Je mets appartement et je ne connais pas vraiment le nom. Donc, je ne vais pas ajouter quoi que ce soit, mais je vous dis que c'est possible en fait. Donc, il y a tout un tas de références que vous pouvez faire, notamment mettre la rue dans laquelle vous avez le nombre, le numéro de building et tout. Ça dépend vraiment de vous. Pour moi, je vais annuler. Une autre fonctionnalité très intéressante pour cette application, c'est que vous êtes en mesure de pouvoir retrouver un lieu dit à où que vous vous trouviez. Donc, il vous suffit tout simplement de venir utiliser l'outil recherche. Et là, je vais taper au pif, hein, je vais choisir Express Union. Et lorsque je recherche Express Union comme ça, on va me proposer plusieurs solutions en fonction de la distance qui nous sépare de Express Union. Vous voyez, j'ai plusieurs solutions. J'ai Express Union pour 310 mètres, une autre Express Union pour 1,1 km. Alors pour moi, je vais choisir l'agence Express Union la plus proche. Et une fois que je recherche l'agence Express Union la plus proche de ma position, alors on me propose quatre options. La
tout en bas, vous voyez, route from, c'est pour désigner la route quittant de l'Express Union pour mon lieu, ma position actuelle. Vous pouvez également, ça c'est route from, et on vous demande si, bon, je vais pas prendre ça, hein. Vous pouvez également utiliser, vous avez donc je vais recommencer. Je dis, lorsque je fais une recherche, j'ai cherché par exemple Express Union tout à l'heure et après je l'ai perdu. On va tenter de ne plus faire cette erreur. Donc j'ai Express Union actuellement, et maintenant une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est de faire route sous, par exemple route sous. Lorsque vous faites route sous, c'est la route qui va vous mener à Express Union. Alors là, vous avez plusieurs choix qui s'ouvrent à vous. Regardez tout simplement à l'en-tête, vous allez voir. Vous pouvez choisir la voie par le moyen de transport. Par exemple, vous avez par voiture, il vous faut une minute pour y arriver. Mais maintenant, vous pouvez également choisir la piste de partie à pied. Alors, si vous partez à pied, vous pouvez... Vous voyez, vous avez plutôt 6 minutes qu'il vous faudra pour y arriver. Si vous pouvez partir en train, alors, notamment ici, c'est pas possible, mais c'est... Vous pouvez également choisir la piste cyclable, et comme c'est mon cas, alors, je vais faire start. Il me faut 3 minutes pour y aller. Moi, je vais choisir y aller à vélo. Alors, vous voyez, lorsque vous lancez automatiquement, l'application se met à vous indiquer la route nécessaire pour y arriver. Alors, moi, je ne vais pas y aller, je ne vais pas me déplacer, donc je vais mettre tout simplement stop. Mais ce sont l'une des applications, par exemple, l'une des fonctionnalités de cette application. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante pour moi, c'est, et je suis sûr que tout le monde a déjà eu ce souci-là, c'est, par exemple, lorsque vous voulez rencontrer une amie ou un ami qui se retrouve dans un lieu que vous ne connaissez pas. Alors, si les deux personnes possèdent cette application, vous êtes en mesure de pouvoir partager vos positions respectives. Notamment, vous allez dans le menu et vous faites « Share my location ». Et lorsque vous faites « Share my location », vous pouvez le partager via une application. Tout dépend de vous, à n'importe laquelle. Par exemple, si vous utilisez WhatsApp, vous pouvez le partager via WhatsApp ou encore via Messenger, je ne sais pas, ça dépend vraiment de vous. Et lorsque vous le partagez à travers Messenger, vous choisissez tout simplement le contact à qui vous voulez envoyer votre... à qui vous voulez envoyer votre position. Notamment, moi, je vais envoyer cela à Douce. Donc, je vais faire send et... Dessous, lui, il va recevoir ma position exacte. Et maintenant, le lien qu'il va recevoir en cliquant dessus, le lien va ouvrir automatiquement l'application et va lui montrer la procédure à se faire suivre pour pouvoir me retrouver. Donc, c'est vraiment intéressant. Si un jour vous avez l'opportunité d'utiliser cette application, n'hésitez pas. C'est vraiment nickel. Une dernière fonctionnalité, parce que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités, par exemple, de cette application. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse vous aider à découvrir cette application. Une dernière fonctionnalité que je vais vous présenter et que je trouve assez bien, c'est la longue vue. Alors, lorsque vous cliquez sur la longue vue, on vous pose un certain nombre d'attractions, notamment les hôtels qui sont à proximité de votre position. On vous propose également les mosquées, les églises et ainsi de suite, les mairies. On vous propose également les lieux où vous pouvez aller manger quelque chose ou grignoter quelque chose ou encore boire un coup avec des amis. C'est vraiment intéressant. Par exemple, si moi je veux par exemple aller dans... Vous voyez là, je veux peut-être aller... cet appartement, on dit appartement citadelle, c'est situé à 1 km. 1 km, c'est trop. C'est trop bon. Bon, c'est le plus court, en fait. En cliquant dessus, on me montre directement appartement citadin. Et là, je peux aller soit enregistrer,
cela comme quelque chose d'important pour moi, comme ça je pourrais revenir après. Ou encore, je peux aller faire route directement. Et lorsque je fais route, je choisis d'y aller cette fois-ci plus tôt en voiture, parce qu'il y a un kilomètre, c'est quand même assez loin. Bon, ça va me prendre plus d'efforts en fait. Donc, ça, c'est là, c'est également une fonctionnalité de cette application que j'adore. Donc, In 200 là, vous meters, voyez. turn right, then turn left. Et donc, pour moi, par exemple, je vais annuler cela. Alors, il y a plus tout un tas de fonctionnalités comme celles que je viens de vous présenter. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aurai pas le temps de toutes les présenter. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions, alors n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, alors n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci.